La Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, FETAF, a tenu du 18 au 20 août 2021 à Accra un forum national sur la protection sociale des personnes handicapées. La rencontre qui a réuni les associations et membres de la fédération a permis d'identifier les défis et de faire des recommandations afin d'améliorer la protection sociale des personnes vivant avec un handicap au Togo. En dehors même de ce forum, nous allons aussi saisir l'occasion avec les représentants de nos organisations qui sont là et le concours de nos partenaires techniques et présents qui sont à nos côtés pour revisiter le plan stratégique de la fédération et en même temps jeter les bases de l'élaboration d'un nouveau plan stratégique. Ce forum national de la FETAF a été couplé de son assemblée générale, occasion pour les membres du conseil d'administration en fin de mandat d'établir le bilan des activités. Nous pouvons dire que la situation n'a pas été totalement rose, puisque notre mandat a été marqué par la situation d'urgence sanitaire que notre pays, ou le monde entier, a connu pratiquement des effets de Covid-19. Malgré tout, nous avons acquis, à travers la mise en œuvre de différents projets, des résultats tangibles sur l'ensemble du territoire national. D'abord, le renforcement des capacités de nos organisations pour impacter l'inclusion dans les différentes localités. Au niveau central, la FETAF a pu participer à des rencontres qui fait d'elle aujourd'hui le porte-parole privilégié des personnes handicapées auprès de l'État. Nous avons également, dans le cadre de l'éducation, essayé de soutenir les élèves. Nous avons posé des actes d'inspiration, notamment par la construction des rampes, parce qu'en réalité, la FETAF, son moyen d'action, c'est la sensibilisation et le plaidoyer. Voilà autant d'actions que nous allons présenter plus détaillées à nos membres pour leur appréciation. Créée en 1990, la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées est un réseau de 4 associations de la société civile travaillant sur la thématique du handicap. Sa vision est de voir toutes les personnes handicapées jouir pleinement de leur rôle sur toute l'étendue du territoire national.